Alors, coucou tout le monde, c'est Triclo, il y a Roger qui est là aussi, il vous passe le bonjour. Ouais, salut tout le monde, on est super content de jouer aujourd'hui à Amrad Core 6 Fire Brumicon. Alors, c'est un jeu qu'on attendait depuis longtemps, mais comme on est des pauvres copecs, on n'a pas de fric, quoi. Bah, voilà, on pouvait pas se l'acheter, donc voilà, bah, Triclo a vendu un peu, bah, il a fait des trucs pour avoir de l'argent, voilà, bref, ouais, bon, c'était un peu répugnant, mais bon, je veux pas en parler. Non, mais ça va, Roger, t'es pas obligé de dire, je veux dire. J'étais un peu forcé, je veux dire, voilà, quand t'aimes un jeu, tu es obligé de faire des choses, tu vois, je veux dire, après, ça reste... Vas-y, on refait la vidéo, vas-y, on refait la vidéo, parce que j'aime pas du tout l'intro que t'as fait, là. Attends, vas-y, on la refait. Oui, alors, coucou, c'est Triclo et Roger. Alors, aujourd'hui, on va jouer à Armored Core 6, Fire of Rubicon. Il y a Roger qui est là aussi, vous passe le bonjour. Ah, salut tout le monde! C'est content de jouer à Armored Core 6, heureusement, ça faisait un moment qu'on l'attendait. Voilà, on avait des sous, quoi, on a pu l'acheter, c'est super, c'est génial, vraiment, c'est vraiment la bonne. Vraiment, on est content de jouer à ce jeu-là. C'est du grand jeu, vraiment, on adorait Armored Core Frontwear, Armored Core 4, Armored Core 5. Ouais, après, on connaît pas les jeux sur PS2, PS3. PS3, je crois que c'était Armored Core 4 et Armored Core Frontwear. Et il tournait pas bien sur PS3, il tournait bien sur 360. Oui, bon, ça va, on n'a pas de faire non plus tous les historiques de Armored Core, mais on est des grands fans de la série. Et voilà, on voulait refaire le comeback de Roger et Triclo. Parce que voilà, bon, j'étais dans mon trip CBD, musique faite par IA. Bon, j'écrivais mes textes et tout, c'était le bordel un peu. Il fallait que je change de délire un peu. C'était l'été, alors, non, mais tu nous as saoulé avec ta musique là. Putain, tous les jours, ta musique, j'en avais marre, j'avais mal à la tête, sérieusement. Pouvais plus. Bon, ça va, c'est de la bonne musique, mais bon. Normalement, t'as trouvé le truc à la fin, là. Oui, mais j'ai trouvé le truc à la fin, mais j'ai plus de crédit, là. Il faut que je reprenne des crédits. Ah, bref, bon, on a plus de fric, c'est la merde. Voilà, bon, bref, on pensait à vous, on s'est dit qu'on allait faire un Roger Triclo sur Armored Core 6, Fire Brumicon. On va continuer la partie. Ouais, c'est bien, c'est bien. Au début, on voulait faire un gameplay sur Warframe, on s'est dit, ouais, bon, un gameplay sur Warframe. Ah, truc fait, refait 3000 fois. Ah, il y a Armored Core 6, heureusement, c'est un bon jeu. Après, alors le design de la C, un peu là. La peinture, c'est vraiment le truc qu'on s'est fait. Vraiment, il est beau comme ça. On lui a mis une grosse mitraillette à droite, un gros fusil à bazooka à gauche, avec un lance-missile dans le dos. Il faut qu'on sense les bras. Ah, ouais, c'est vrai, il faut que tu senses les bras, parce que les bras étaient trop lourds à métier. Attends, alors, pour le design de la C, c'est assemblage, il faut qu'on change les bras. Alors, les bras, c'est quelle partie? C'est ça. Alors, les bras, on va mettre des bras plus légers. Voilà, comme ça, on sera mieux. L'aérodynamisme, ça compte dans ces jeux-là. Chaque pièce, il n'y a pas de mauvaise pièce dans ces jeux-là, tu vois, c'est des jeux, il n'y a pas de mauvaise pièce, tout est valable, quoi. Ah, super, super intéressant, c'est bien. Bon, vas-y, tu balances une mission, quoi. Oui, bah attends, je balance une mission. Putain, c'est ouais, je balance une mission, c'est pas comment tu fais. Bah, tu vas dans déploiement, là, et tu choisis. Alors, on peut faire mission libre, on va faire les missions qu'on a déjà faites. Ou alors, bon, on n'a pas avancé beaucoup dans le jeu. Hein, voilà, on y a joué que très peu parce qu'on était tellement dans la zic que. Enfin, tu étais tellement dans la musique parce que je m'as bien saoulé avec ta musique de mort. Hein. Franchement, avec tes histoires de gonzesses là, qui chialent, là, t'en as ras-le-bol là. Oui, mais elle est bien ma chanson là, Madame M là. Je t'aime. Ouais, super, chanson de gonzesse encore. Tu ne pourrais pas nous faire des trucs un peu plus de testostérone, hein, franchement? Oui, mais moi j'aime bien faire des chansons pour. Je trouve que c'est bien quand c'est comme si t'avais un synthétiseur avec la voix d'une femme, tu vois, c'est cool, tu vois, je trouve. Ouais, c'est cool. Tu nous as saoulé avec ta musique, sérieusement. Bon, allez, bref, un petit gameplay. Alors, on pourrait s'attaquer le hangar, c'est cool ça. Oui, on va attaquer le hangar. Alors, déploiement, on va se faire des sous. De toute façon, il me faut des sous dans ce jeu-là. Moi j'aime bien quand je fais les missions avoir le rang S. Attends, alors vas-y, on passe l'histoire, de toute façon, l'histoire, elle est très intéressante l'histoire, mais on n'est pas là pour ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était un peu parler de... Parler, on voulait parler un peu, tu vois, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé.
Ouais, Ils vont c'est faire pas leur long. test. Alors, vraiment, alors, oui, ça c'est vrai. J'en avais un peu marre d'ailleurs d'être mis au placard, là, de pas pouvoir m'exprimer. Ça me manquait un peu, tu vois. Je pense que les viewers sur la scène, on avait un peu ras-le-bol de tes musiques de mort. Ça se sentait au niveau des vues, franchement, il était temps de faire quelque chose, quoi. Oui, bon, bah, c'était une passade, tu vois, je veux dire. Bon, après, vas-y, alors, le gameplay il est cool, il est bien bourrin. Faut être stratégique un peu, alors faut utiliser tout, il y a une espèce d'histoire d'endurance, voilà, c'est pas du Dark Souls, mais c'est quand même du... Parce qu'à la base, ce que je disais, moi, c'est que les jeux de... Arrêtez de parler, les gars, là, fermez vos gueules, là. Oui, 61, mais ferme ta gueule, là, sérieusement, j'ai oublié de parler, là. Donc, attends, le son est fort, le son est fort, alors, règle... Alors, ce jeu, le son, il tabasse bien. Alors, on va envoyer du gros missile, comme ça. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des noid run un peu, tu vois. Faire des noid run. Alors là, faut faire gaffe parce que j'aurais dû prendre de l'avance. Parce que si je tombe par terre, pas tomber, tu vois, dans les trucs comme ça. Alors, on va balancer un gros missile. Voilà, on fait des petits. Ah, bah, franchement, tu joues bien. Hein. Ah oui, bah, je connais vachement bien la série aussi. Ah, t'as perdu un peu de points là. Ah, putain, t'es en train de te faire tousser là. Oui, bon bah il est pas facile le jeu, je me rappelle plus des touches à moitié, j'ai changé les touches à moitié quoi. Mais pourquoi t'as changé quoi comme touche? Bah j'ai mis le saut sur L2. Ah merde, t'as loupé la réplique, putain! Oui, bon bah je suis plus OP là, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait un Roger Triclot, t'es marrant toi. Tu vas pas me prendre la tête pour une petite erreur à la con là. Vas-y, je balance les missiles là, tiens dans sa face à celui-là. Oh, bon bah c'est bon, on est mal parti pour le rang S, je te dis direct. Là on s'est fait déjà trop touché. Alors là faut pas que je tombe. Alors là, un petit missile dans sa face à celui-là. Alors on va balancer le lance-patate. Trop tard. Bon, c'est pas grave, on est bon. Alors il faut que je tue tout le monde là. Ouais, c'est un peu laborieux. Alors, franchement, quand tu fais tes gameplays sur Warframe, tu joues plus sans réfléchir. Je veux dire, oui, mais Armored Core, c'est pas un jeu, voilà, c'est pas un jeu no brain à moitié. C'est pas un jeu comme Warframe. Warframe, c'est plus, tu vois. Bah Warframe, c'est no brain quand t'as 10 ans de jeu aussi. Hein. Après, quand t'es au début du jeu, c'est pas du tout no brain, quoi. Mais voilà. Après, j'ai des techniques sur Warframe. Non, on s'en fout de ton Warframe, tu nous saoules à moitié. On voit les œufs neufs à moitié. Alors, moi, franchement, je le trouve stylé ce jeu, quoi. Ah bah oui, il est super stylé, c'est fou. Il fait vraiment penser à Armored Core Forensware avec la vitesse et tout. Le premier boss, il était délirant. Franchement, j'ai trouvé le premier boss, l'espèce d'avion là. À moitié dur et puis délirant, franchement le combat il était trop bien. À la fin tu maîtrises tous les mouvements et tout, c'est une danse de la mort. À moitié, j'ai trouvé vraiment que il est génialissime Armored Core 6. Franchement, c'est le jeu qui m'a un peu redonné envie de jouer aux jeux vidéo. J'en avais un peu marre des jeux vidéo, je vous avouerai. Il fallait que j'aie ma période musique à moitié quoi. Il fallait que j'aie ma période musique, refaire des trucs un peu, recréer des trucs différents que jouer à la console tout le temps, j'en avais marre. Et là, depuis que j'ai Armored Core 6, là, c'est reparti. La console est relancée. En plus, c'est pas bon de jouer à la console l'été parce que voilà, il fait trop chaud, les consoles elles souffrent. Alors, vaut mieux faire une pause l'été, vous laissez la console un peu, voilà. Vous essayez de dragouiller sur la plage, voilà, si vous êtes un peu jeune, quoi. C'est le truc à faire, quoi. Se jouer à Dark Souls l'été, franchement, quand on est un jeune, bon, c'est pas. Il y a des trucs mieux à faire, quand même, quoi. Les filles sont plus cool l'été. Elles sont plus moins dures, quoi. Elles se disent, elles veulent des trucs durs et elles sont moins dures. Donc il faut être plus cool l'été. Essayer d'être plus dans le feeling, un peu de la vraie vie. Ah mais vas-y, tu nous gaffes pas avec ta morale de merde, hein. Si ils ont envie de jouer à la console l'été, tu vas pas les saouler non plus. C'était bon. T'es vraiment relou et que t'as été pénible à moitié, quoi. Oui, mais je veux dire, c'est bien pour les jeunes aussi qu'ils fassent autre chose que la console l'été. Je veux dire. C'est pas bien, tu vois. Tiens, on a gagné quand même 50 000. Bon, rang C, bon, c'est nul. Bon, pas terrible. Bon, bref. Bon, c'était un test. On va pas faire une vidéo trop longue, les gars. On teste. Alors, on fait des bisous. C'était Armored Core. On adore le jeu. Faudrait qu'on parle de plein de trucs, mais en fait, on a fait une vidéo, mais cet abruti, il a oublié de brancher le micro. Il a parlé pendant une demi-heure. Il a fait un rosé triclos fantastique d'une demi-heure. Il parlait des IO, il parlait de plein de trucs. Et après, il va pour écouter. Il est là, putain, il n'y a pas de son. Et il s'est rendu compte que le micro était débranché. Mais quelle branlouse! Franchement, ça, c'est pas de la pignole à 2 balles. Sérieusement, la teon, quoi. Oui, bon, bah ça va, j'avais oublié de brancher le micro, ça arrive, tu vois.
Oui, j'étais excité, j'étais là, mais il faut que je fasse une vidéo et j'ai oublié de brancher le micro. Bah, il sait. T'es relou là, franchement. Ouais, dis au revoir à tout le monde là. Ouais, bah, salut tout le monde, c'est retour de Rosé Triclo. On fait des gros bisous. Alors, on pense à vous bien fort. Bon, voilà, c'est la période CBD musique de Triclo de l'été. Vous lui en voulez pas trop. Il se prenait pour un grand artiste. Voilà, c'était la mégalomanie. Ça se con. Ah, c'est comme ça. Voilà, il vous renvoyait pas. Bon, il a fait quelques textes sympas quand même. C'est-à-dire, la chanson sur la France était bien. Madame M, elle est bien. Quelques morceaux un peu techno-industriel, métal, pas mal sympathique. Franchement, on a fait des trucs pas mal quand même. C'est-à-dire, pas mal. Mais bon, voilà, on en reparlera plus tard. On fait des bisous. Au revoir.